un designer et animateur japonais donc va débuter. Nous avons trois quand même auteurs importants. Nous avons Monsieur Koyama Shigeto qui a participé à beaucoup de séries, dont il a fait participer à Evangelion, à The One Piece, à Ghost in the Shell, mais aussi très récemment à Star Driver. Donc surtout sur le design de tout ce qui est robotique. Nous avons une première femme européenne pour Monsieur Koyama. Et nous avons aussi, par exemple, M. Kozaki, qui reconnaît certaines personnes dans la salle, il m'a dit. Et qui est mangaka et a été ici caractère designer pour Nomori Rose, par exemple. Et je te laisse présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis l'interprète de madame. Vous m'entendez? Oui. Anna Sayo, quoi. Donc, vos œuvres que vous connaissez déjà, je pense. Donc, on peut commencer, c'est par Madame Sayo. Donc, allons-y, si vous avez des questions éventuelles, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes prêts à répondre. Je te propose quand même de faire d'abord quelques auteurs se présentent. Peut-être intéressant. Si d'abord on a Madame Moussa, pour se présenter elle-même déjà. Je vais faire. Oui, elle va faire sa présentation elle-même. Bonjour. Je m'appelle Yoko Hanatsu. Je suis en France depuis longtemps. 日本の漫画を皆さんが、フランスの皆さんが愛してくれて、とても毎回感動しております。今回もよろしくお願いいたします。 Elle est très heureuse d'être présente ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter donc ses œuvres que vous adorez déjà beaucoup et ça la touche énormément. Donc maintenant je vais inviter M. Kozaki à se présenter. Bonjour. もうパリに来るの3度目になるんですけど、なんで、知ってる方はもしかしたら知ってる人も何人かいるのかもしれないですけど、日本で漫画家と、キャラクターデザイナーをしている小崎と申します。よろしくお願いします。 Donc je m'appelle Kozaki Yusuke, donc je suis mangaka et character designer au Japon et c'est la troisième fois que je viens ici à Paris. Konnichiwa. Japon のアニメーションのデザイナーをやっております 小山 Shigeto と申します. ヨーロッパは初めてなので楽しんでいきたいなと思います. よろしくお願いします. Alors, enchanté, je m'appelle Koyama Shigeto, je suis designer pour l'animation au Japon. C'est la première fois que je vais en Europe, je suis en Europe et c'est avec grand plaisir. Donc, est-ce que peut-être les personnes ont des questions sur les travaux donc des personnes que nous avons ici? Est-ce que vous avez peut-être des questions sur leur manière de travailler? Oui, je t'écoute, j'arrive à temps. ございません。感想の質問なんですけど。
En fait,
に関する質問は今スケジュールが結構大変らしいので、あれが知っているのが、1話が放送された時には何話が終わっていましたか、ちょっとお答えられますか。Il pense déjà pouvoir répondre à la question. Donc, tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a une série qui est créée, il est très rare que les épisodes soient. Beaucoup d'épisodes soient finis lors de la diffusion du premier épisode. Et dans le cas de Eureka 7, lorsque le premier a été diffusé, le premier était fini. Voilà, donc il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Et donc chaque semaine il y a des rectifications, il y a plein de travail qui est fait, donc c'est pour ça que c'est un travail assez en ligne tendue. Juan Naga, anti-stalking. Je voulais savoir, si je ne me trompe pas, vous avez été car designer pour les romans. C'est vous qui avez fait car designer de l'univers. Et j'ai beaucoup aimé. Je voulais savoir si vous avez l'intention de d'être encore car designer sur une autre série, par exemple, Origina, de Stanley pour. 小山さんに関する質問、2つの質問がありますけど、1番目がどうしてキャラデザインじゃなくてメカデザインを始めたんでしょうか、何かの影響がありますか。で、2番目の質問はヒロマンにキャラデザインを、やったので、これからまたキャラデザインやりますか。一つ目の質問なんですけど、一つ目の質問は、一番最初にアニメをやったトップを狙い作るという作品で、僕はキャラクターデザインの手伝いとして参加したんですけど、監督の鶴巻さんという人が僕をメカデザイナーにしてしまったんです。だから僕はメガを描かなきゃいけなくなってしまって、そこからずっとメガを描いてる。で、まあ2つ目に関しては、今後もやれたらいいなというか、そういう仕事もちょこちょことやっては いたりはします。Alors, tout d'abord, la première partie de question, ce qui concerne le méga design, à la base, il était entré pour participer donc, au projet de Top Merle 2, donc Gunbuster 2 chez nous. Et il devait, à la base, travailler sur aider au caractère design. Mais le réalisateur en a décidé autrement et l'a foutu au méga design. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à faire du méca design. Et pour la deuxième question, oui, il a pris beaucoup de plaisir à faire du caractère design et il espère pouvoir en faire. À nos auteurs, c'est très simple, Paris Manga. Très simple. パリ漫画。
のカウボーイビバップとかやってる川本さん、川本とジングさんの人がパリ漫画に来たことがあって、で、すごいパリがいいところだっていう話だったんで、それでこう、行けるって話になった時、ちょっと嬉しかったんですけどね。Donc, puisque nous évoquons Paris Manga, c'est ce que nous leur a dit M. Kawamoto qui était déjà venu. Donc, Kawamoto, donc, qui est son aîné un peu dans l'animation, puisqu'il est le character designer de Cowboy Bebop. Et donc, il lui avait dit que c'était un endroit très agréable. Et donc, quand il a eu l'offre de venir, c'était avec plaisir qu'il allait y aller.漫画パリ漫画についてなんだろうな、すごいシンプルで難しい質問ですよね。難しいですね。印象ってことですか、自分の感想。感想ってまだ入ってきてから、裏口から入ってきてからまだそんなうろうろしてないからわかんないんですけど、そう、過剰が来てもいいってことですよね。あー難しいな、意地悪だな、なんだろうな、一つさんベト難しい。Alors, c'est vraiment une question en vérité très difficile. C'est un thème très difficile parce que on ne peut pas vraiment donner d'impression puisque le salon a juste commencé. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il a juste fait un petit tour, donc il a une petite vague idée de ce que c'est. Et donc, il trouve que je suis très méchant d'avoir donné ce thème-là. Mais bon, ici, même si je suis à Paris, même si je suis à Marseille, il y a des gens qui ont été vus. Donc, ce qu'il peut dire en tout cas, c'est que ce soit à Paris ou à Marseille, il y a des gens qui reconnaissent. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Il y a rien que le fait de pouvoir participer à chaque fois donc, dans des événements identiques à ceux-là à Paris Manga, la heureuse tout simplement, c'est un plaisir et c'est un honneur en fait pour elle. Alors, j'en profite là, du petit temps qu'on a pour vous rappeler qu'il va bientôt y avoir une séance de dédicace avec les auteurs que vous avez ici. Vous allez donc avoir cette occasion au point de dédicace qui est un peu plus haut. Il y a une petite particularité par contre pour Monsieur Kozaki. Il faut d'abord passer par le stand de Taifu pour récupérer donc le tome 10 qui vient juste de sortir du manga de Monsieur Kozaki. Ou même si vous achetez donc un des tomes, vous avez la possibilité ainsi d'avoir une dédicace de Monsieur Kozaki. Je rappelle ensuite, en ce qui concerne Monsieur Koyama, que l'illustration qu'il nous a proposée pour la séance de dédicace est une illustration exclusive, puisque c'est une illustration du film de Star Driver qui sort seulement en février au Japon. Donc,